Honorable Président et chers collègues, honorables parlementaires, distingués invités, la crise sanitaire de la COVID-19 s'est rapidement transformée en une crise économique et financière. Au moment de cette adresse, la plupart des États membres de la SADC luttent pour financer leur budget et maintenir un faible déficit budgétaire. De surcroît, le recours à la dette publique s'est également accru dans la région afin de permettre à nos États de financer les systèmes de santé publique en vue de lutter contre la COVID-19 ou pour acquérir des vaccins. À cet égard, seule une réforme économique profonde et rationnelle va offrir de nouvelles opportunités à la région de la SADC. Au Forum, nous nous engageons à aider les États membres à trouver le voie et moyen de se remettre des effets négatifs de la COVID-19. Le thème de la présente session insiste sur la nécessité pour la région de la SADC de promouvoir la coopération régionale et d'envisager les solutions innovantes qui peuvent favoriser l'intégration régionale tout en augmentant les flux commerciaux et les produits intérieurs bruts par habitant au sein des États membres. Honorable Président, chers collègues, honorables parlementaires, distingués invités, comme le nom de l'accord le suggère, la mise en place d'une zone de libre-échange signifierait que les flux commerciaux intra-africains se feraient sans barrière tarifaire. En vertu du principe de non-discrimination, les marchandises importées seront soumises au même traitement que les produits fabriqués localement et les traitements accordés à la nation la plus favorisée s'appliquera à tous les États africains. Le flux commercial fournira également les incitations nécessaires pour attirer les investissements étrangers qui peuvent créer de nouvelles opportunités pour les citoyens de la SADC. J'imagine donc que cette zone pourra favoriser la création d'emplois et l'intégration des populations de notre région. Toutefois, cette zone ne doit pas nous faire oublier l'écart de développement qui existe entre nos différents États. Il y a donc nécessité de planifier une période d'harmonisation de nos économies afin de les adapter à opérer dans une zone de libre-échange. Cette période d'adaptation permettrait de répondre au problème de la convertibilité de nos monnaies et la mise en place de normes concernant la qualité des produits et des services. Ainsi, nous devons savoir qu'aujourd'hui, de nombreuses étapes doivent encore être franchi en vue de l'appropriation de cet accord
de libre-échange. On s'attend donc à ce que cette auguste assemblée plénière délibère de manière constructive sur la question et prenne les résolutions nécessaires qui guideront les États membres de la SADC dans le processus de domestication et d'incorporation.